Bonjour, bonsoir tout famille, comment nous y est? Bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté, nous allons porter tout ça qui a dominé l'actualité football là. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, côté que Bayern de Munich qui est arrivé écraser la zone de Rome 4 goals à 1 à venir avec résumé goal et réaction à la presse. Mais quand même, dans le match de Madrid, il y a côté que Mendy sauvé avec un goal. Nous allons venir avec réaction à la presse pour notre pays l'Italie qui fait qu'on est question match que vous volez dans le main. Nous allons tout avec réaction dans le pays l'Espagne, pourquoi pas résumé goal là. On parle tout avec côté match Atlético de Madrid qui arrivé perdu la Cali Yongol Lazo face avec Chelsea. Mes amis, on avec bel goal ça que Olivier Julien lui marqué. Et bien goal bicyclette, je pas suspendre puisque il y a Dele Alli pour l'équipe Tottenham Hotspur qui a marqué un goal bicyclette sous belle victoire de fait face avec Wolfsburg 4-0. On parle tout avec belle victoire FC Barcelone 3-0 sous match en retard mes amis face avec Elche côté Messi marqué un doublé dans notre ça on avec résumé goal de réaction à la presse. C'est une vidéo qui gagne tout ça qui a dominé l'actualité football là, surtout dans la Ligue des Champions pour Tipo tout petit à l'heure gagne plus de détails. On commence avec Ligue des Champions dans le match de jeunes mardi. Côté que l'équipe Bayern de Munich est arrivée écrasée, équipe la Zone de Rome dans la Cali 4-1. Mais pour jouer dans le sport dans le pays d'Italie, il mettait à la une un blackout pour la Zone de Rome. Il fait qu'on est que l'équipe Bayern de Munich était sans pitié et pourquoi pas dilapider l'équipe la Zone de Rome dans 4-1. Notamment dans la première période là, il mettait déjà 3 goals et pourquoi pas mes amis dans la 47e minute de jeu, il déjà mené 4-0. Et c'était une équipe Bayern de Munich qui était sans pitié pour la Zone de Rome. Et toujours dans le pays d'Italie, il y a un journal avec ce tuto sport qui mettait à la une la Zone de Rome. Quel claque! Après belle victoire à l'extérieur, équipe Bayern de Munich, 4 goals à 1, donc il a déjà gagné un pied dans les quarts de finale. Ça qui rend la tâche vraiment difficile pour l'équipe Lazio de Rome dans la probable qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et mes amis, comment ça a été pour l'équipe Bayern de Munich? C'était Lewandowski qui était ouvert ce son 4 défenseur à la 9e minute de jeu. Et Moussa à la 24e minute de jeu, qui a mis le 2e goal là pour l'équipe Bayern de Munich. Là. Et au stand de Lima, la 42e minute de jeu, qui a mené 3-0 sur l'équipe Lazio de Rome. Là. Nous avons Acerbi Lima la 47e minute de jeu, qui a marqué un goal contre Canli. Et nous avons encore Koyora Lima la 49e minute de jeu, qui a réduit ce score là pour l'équipe Lazio de Rome. Là. Dans l'autre match, qui a gagné pas de mardi, mes amis, c'était l'équipe Atlético de Madrid, la Cali qui a recevé l'équipe Chelsea. Le journal Maca qui mettait à la une de faire affaire dans le match retour là. Puisque l'équipe Atlético de Madrid a livré perdu la Cali, un goal à 0 sur un gros goal de Olivier Giroud. Selon le journal, ça c'est un match côté Atlético de Madrid vraiment la perdu le cap de vitesse offensive puisque elle a fait un affaire de 5 shoots et 0 tir cadré. Mais quand même, bon côté pas dans le pays de l'Angleterre, le journal de Daily Times s'y mettait à la une que Olivier Giroud arrivait lever l'équipe Chelsea avec un bel retour acrobatique. Un retour acrobatique qui fait la une dans plusieurs journaux en Europe. C'est le cas dans le pays de l'Angleterre avec le journal ça qui mettait à la une la touche magique d'Olivier Giroud. Mais quand même, il fait jeu de moi avec touche pour qu'il mette touche lui-même tout qui était vraiment décisif dans le rencontre là. Et avec bon changement, et pourquoi pas avec Joël, t'es décidé pour te aligner Olivier, mettre deux Atlético de Madrid à un goal à 0. Ça qui balle une belle option pour les quarts de finale. Mais j'en ai déjà son barra qui fait la une dans plusieurs journaux en Europe, notamment avec le journal L'équipe qui mettait à la une un Giroud bicyclette d'or. L'avancée des Bleus a fait tomber l'Atlético de Madrid d'un ciseau retourné magnifique, validé après 3 minutes d'attente. C'est son 6e but en Ligue des Champions cette saison. Et mes amis, j'en ai déjà, c'est Olivier Giroud qui a marqué une goal en contre la son belle bicyclette à la 68e minute de jeu. On a toujours été dans le pays l'Angleterre avec des Sunderland qui mettait à la une Olivier Giroud. Mais mes amis, en parlant de Olivier Giroud qui fait un bel goal bicyclette, gagne Dele Alli lui-même tout dans le match Ligue Europa, mes amis, qui fait 4 goals à 0. Pourquoi pas un bel goal bicyclette, mes amis, pour l'équipe Tottenham Hotspur là. Le journal là qui traitait de goal bicyclette ça de Olivier Giroud. Et pourquoi pas, mes amis, pour le grand hommage avec bel goal ça que Olivier Giroud a marqué en mardi. Et bien, avec victoire ça, l'équipe Tottenham qui prend qualification directe pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Et mes amis, comment ça a été pour Tottenham Hotspur? C'était Dele Alli qui a marqué premier goal là, son bel bicyclette, mes amis, j'en ai regardé là. Et bien, Vinicius à la 50e minute, j'ai été mettre 2-0 pour l'équipe Tottenham. Non. Ça va être là, puisque Gareth Bale, son passe de Dele Alli, il a mis un très bel goal lui-même tout. Et nous avons fait un compte là, Vinicius à la 83e minute, j'ai été doublé par là dans un compte là. Juste avant que nous voyons plus dans la vidéo, ça, mes amis, quittez un point d'idée pour nous remercier chaque monde qui a regardé la vidéo ça et pourquoi pas chaque monde qui est déjà abonné à la chaîne YouTube là. Ou même qui pour faire ça, qui soit abonné, mes amis, cliquez sur le bouton de la vidéo à Kounia pour abonner et activer la cloche de notification. Hein. Et pas oublier de faire ça mes amis, mettez un like dans ma vidéo ça pour pas oublier et puis devant parce que c'est un like gratis et ça vraiment encourager nous de plus de vidéos.
On a toujours été dans le pays l'Angleterre avec le journal The Sun qui mettait à la une. Est-ce que y a un monde qui a aidé Manchester City? Eh bien oui, équipe Manchester City a arrivé imposer sous Borussia Mönchengladbach 2-0 en déplacement pour mettre 19e victoire consécutive. Le journal The Sun qui a demandé est-ce que y a un monde qui a aidé donc avec appel ça lui-même que Gabriel Jesus lui-même avec célébration ça sous deuxième goal là. Est-ce que y a un monde qui a battu Manchester City? Et bien nous avons répondu à une question vraiment rapide vite avec Jonas Salin qui mettait ciel là c'est limite équipe Manchester City a. Qui est-ce qui va battre l'équipe Salem si elle a ses limites puisque l'équipe Salem qui t'a visé pour qu'elle fait quadruple pendant l'année ça. Et bon, on ne parle pas dans le pays de l'Allemagne, le journal Kicker qui mettait à la une Gladbach fait le pep. Et bien oui, dommage donc avec Pep Guardiola qui déjà fait 19 victoires consécutives avec l'équipe Manchester City. Est-ce que Borussia Mönchengladbach va renverser tendance dans le match retour là? Donc c'est une grande question qu'on a posée. Et nous allons commencer à dire pour Manchester City, mais c'était Bernardo Silva qui était au Wisco à la 29e minute de jeu. Gabriel Jesus bon côté par la 65e minute de jeu de mettre deuxième goal dans le compte là. On retourne dans le pays l'Italie avec Jonas Paverosa, c'est Gazzetta dello Sport qui vraiment là réagit sur match Real de Madrid face avec équipe Atalanta Bergamia. Il mettait à la une mais la Ligue des Champions font cadeau avec Real de Madrid. Il mettait tout la rouge de la rage mais la rouge de la colère puisque gagne équipe Salimema qui était réduit à 10 contre 11 depuis la 17e minute de jeu. Et bon, côté par les Jonas Correa dello Sport qui mettait à la une après travail négatif la Juventus avec la Lazio mais cette fois-ci c'est Atalanta qui KO. Mais KO après 80e minute qui était réduit à 10 contre 11. Mais quand même, Jonas Sato qui parlait de grande déclaration que Gasperini qui s'est entraîné à Atalanta l'y fait après rencontre là pour faire connaître que y a quelques habits qui t'a dû faire l'autre métier. Mais surtout, habits rencontre là pour Gasperini t'a supposé faire l'autre métier qui c'est pas arbitrage. En revanche, dans le pays l'Espagne, c'est la fête puisque Jonas Sato mettait à la une un goal en or pour Mendy Liam qui était sauvé équipe Real de Madrid à la 85e minute de jeu. Mais quand même, il rappelle que l'équipe Atalanta Bergamia depuis la 18e minute de jeu de Getafe joue à 10 contre 11. Et bon, on départ les journal Salien qui s'est marqué à lui mettre à la une très Mendy qu'on fait jeu de moi avec Mendy, mot qui signifie formidable en espagnol. Définitivement, il fait connaître que Mendy aime lui sauver l'équipe Real de Madrid avec une frappe de loin avec mauvais pied, qui c'est pied droit lui. Et si nous avons fait un petit coup de pied dans le pays, l'Italie avec le journal Tudo Sportline qui mettait à la une clairement la DS volée. Mais il fait qu'on est que la DS qui c'est Atalanta Bergamo était vraiment volé dans le rencontre là. Et pourquoi pas lier à l'épine pour le faire qu'on est que c'était un arbitrage désastreux. Et vous mettez opinion pour est-ce que vous avez un carton rouge dans le rencontre là sous faute que mais je sais les mettre faire. Mettez opinion pour nous en commentaire. Et mes amis, mes vidéos faute qui a bail un pile problème. Est-ce que vous avez un carton rouge? Mais quittez nous souligner pour que mes Mendy Salim qui a subi faute là, il a fait un bel goal à la 85e minute de jeu pour le débat victoire ça. C'est une victoire qui fait la une dans le pays. La France avait joué dans l'équipe qui mettait à la une un Big Ferland. En marquant un splendide premier but en Ligue des Champions, le défenseur international français Ferland Mendy offre la victoire à un Real ronronnant. Un goal qui mettait Real de Madrid à deux pas de quart de finale. On a toujours été dans le pays l'Espagne avec un match en retard contre l'équipe FC Barcelone après recevoir l'équipe Elche. Mais une belle victoire 3-0 pour l'équipe FC Barcelone, notamment avec un doublé de Lionel Messi. Bordé par les journaux sport, il mettait à la une que Messi Liam lui vraiment vrai dit équipe FC Barcelone est vraiment mené, équipe avait une belle victoire. C'était un Messi qui était vraiment phénoménal, qui était mettait deux premiers goals dans le rencontre là après que Jordi Alba Liam pour le TV mettait troisième goal là. Une victoire qui fait que l'équipe FC Barcelone a commencé quoi dans le titre là, Sinka a fait confiance avec le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une gagne un goal, gagne Liga. Le journal là qui fait connaître qu'avec victoire ça, équipe FC Barcelone qui déjà monté en 3ème place dans le classement à 5 points de Atlético de Madrid et pourquoi pas 2 points de Real de Madrid. Mais quand même, il fait connaître mais Lionel Messi avec doublé ça, il monté avec 18ème goal dans le classement et pourquoi pas une petite chine dans le pays d'Espagne. Et vous même qui c'est fanatique FC Barcelone, est-ce que vous pensez que Barcelone a toujours remporté Liga, Jean équipe ça est là, mes amis, mettez opinion pour nous en commentaire. Et bon, t'es pas lié, contrairement avec le journal Mundo Deportivo qui est en haut, Gain Liga, le journal Les Sports, une ville catalogue qui mettait à la une que Messi lui vraiment éviter un gros bagaille. Mais lui éviter le chaos, puisque après que t'es fait une défaite face avec Paris Saint-Germain et pourquoi pas un match nul face avec Cadiz, mais Lionel Messi même qui éviter un gros bagaille. Mais si la première période a été terminée, 0 goal partout, mais Lionel Messi qui te mettait un doublé pour le travail avantage là avec FC Barcelone. Et bien mes amis, comment ça t'a pour FC Barcelone, c'était Lionel Messi qui était ouvert score en deuxième période là sur la 48e minute de jeu. Donc Lionel Messi encore une fois sur la 9e minute de jeu, il mettait deuxième goal dans le rencontre là. Et pourquoi pas Jordi Alba sur un passe de Martin Braithwaite qui mettait troisième goal dans le rencontre là. Juste avant nous aller quitter un point de temps pour remercier chaque monde qui te regarde les vidéos arrivé jusqu'à la fin. Merci un peu pour le support de la chaîne YouTube là, mais pas oublier juste avant aller partager la vidéo ça, c'est la seule façon qu'on aide le travail à arriver plus loin que possible. Partagez sur Facebook dans tout groupe qui est avec football, avec Zamro, sur WhatsApp, sur Instagram, etc.
Quand à vous nous nous à la prochaine belle vidéo. Si que mon Dieu bénit, pas oublier préparer nous pour retour Christ à son bac qui est essentiel parce que nous qui je nous vienne sous terre, nous va rendre qui je nous braler.